Vasja Furlan en mode Stephen Curry. Et c'est toute l'équipe d'Ivry qui se transforme en Warriors, unis et soudés pour assurer son maintien. Et qui de mieux pour représenter la solidarité que les frères Bataille, Benjamin et Mathieu. La fratrie cumule 6 buts en première période. Toulouse, de son côté, s'appuie sur son arrière-gauche suédois, Marcus Olsson, auteur de 5 de ses 6 buts dans le premier acte. À la mi-temps, le Phoenix ne mène que d'un petit but, 16 à 15. Philippe Gardan va alors booster ses joueurs à la pause et ils vont accélérer dès la reprise de la seconde période à l'image de Gaël Tribillon. 5 sur 7 pour lui dans cette partie. Toulouse compte jusqu'à 4 buts d'avance. Ivry se met à courir après le score, mais les 8 buts à 100% au tir de Mortem Bihum sont insuffisants. Le club francilien s'incline 28 à 29 et va devoir encore se battre pour décrocher son maintien. Toulouse grimpe à la 8e place. On sortait quand même de prestations très très mitigées sur les derniers matchs, notamment Istres à la maison, Chambéry à Chambéry. Voilà, c'est d'abord pour nous, pour notre orgueil, qu'on se devait de réagir ce soir. Et bah c'est bien, il y a la victoire, on sait que c'est pas facile d'aller gagner à Ivry, c'est toujours une salle qui est difficile, donc voilà, on est satisfait, oui, évidemment, de cette victoire.